I'm Batman. Wouhou! Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle présentation de pack dans Assassin's Creed Valhalla. Je vais vous présenter aujourd'hui le pack du Corbeau Noir. Et oui, ce magnifique pack Corbeau Noir qui sera disponible prochainement dans la boutique du jeu pour un prix de 19,99€. Non, je déconne, 20€ quoi. Voilà, t'as capté, comme tous les autres packs. Donc le voici, le pack du Corbeau Noir avec la capuche et la cape que je vais enlever dans quelques instants. Mais je voulais absolument vous le montrer comme ça pour commencer parce que j'oublie souvent de le faire, de mettre la cape dans les présentations de pack. Et là, pour le coup, c'est juste magnifique avec le petit emblème du corbeau sur la cape. Je surkiffe. Et là, quand on enlève, hop là, on a le beau casque du corbeau que je trouve là aussi sublime. Avec tous les petits détails sur la tenue, je vous fais un petit tour d'horizon. Le bouclier, avec là aussi un emblème de corbeau, magnifique. Je trouve que cette tenue va très bien avec la lame secrète. Elle est aux mêmes couleurs. Je sais pas pour vous, mais moi je l'adore. Elle est sublime. Alors, première fois dans un pack, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'y a pas d'armes style épée, marteau... voilà. Dans ce pack, nous avons uniquement un bouclier. Merde, attendez. Nous avons un bouclier, pardon. Comment on l'utilise du coup? Ah bah oui, je suis obligé de... Voilà, de taper avec, je peux pas me protéger. Bah oui, c'est mon arme principale, c'est un bouclier. Donc voilà. Nous avons ce bouclier en arme principale, entre guillemets. Et... un magnifique arc. Et je crois que c'est le premier. Dans tous les autres packs qu'on avait, on avait toujours une arme, un bouclier. Là, on a... un arc, un bouclier. Et quel arc, les amis. Regardez-moi ça. On dirait que c'est le prolongement de l'aile du corbeau. Vous voyez? Un petit peu. C'est magnifique. Nous en avons un ici en bas aussi. C'est sublime. Voilà. On va regarder un petit peu les stats de cet ensemble. Alors, s'équiper de l'ensemble corbeau noir, c'est-à-dire les 5 pièces... augmente les dégâts à distance après avoir infligé 3 coups sans rater. Donc, ai-je besoin de vous expliquer? Voilà, vous mettez 3 flèches sans rater votre cible dans un adversaire, et ça augmentera les dégâts à distance juste après à la 4ème flèche. Et nous avons également l'augmentation supplémentaire de dégâts tir dans la tête. Je crois que ça veut dire ça, hein, TDT, tir dans la tête. Voilà, donc c'est basé sur l'arc, hein, tout simplement. Alors, la capuche du corbeau noir. Des visions prophétiques du dieu borgne tendent à un... qu'il en portait une semblable. Donc ça fait référence à Odin. Ensuite, l'armure du corbeau noir. Malgré sa légèreté destinée à ne pas entraver les mouvements, cette armure permet de dévier les coups les plus graves. Le casque du corbeau noir. Casque solide réalisé avec art et rappelant une tête de grand corbeau. Beaucoup se demandent s'il représente Ugin ou Munin. Voilà. Les deux corbeaux d'Odin, bien évidemment. Les brassards du corbeau noir, rost mais confortable, et capable de cacher toutes sortes d'objets et de secrets aux yeux des curieux. Bray de corbeau noir. Ce vêtement ne génère presque aucun son qui le rend idéal pour le rôdeur nocturne en quête de proie. Voilà. Au niveau de l'arc, qui s'intitule Bec de grand corbeau. Il a pour bonus l'augmentation de dégâts tir dans la tête en cas de tir dans la tête. Non, sans blague, voilà. Donc l'arme de tueur idéale, meurtrière à distance, silencieuse et assez légère pour être portée indéfiniment. Voilà. Et le bouclier qui s'appelle Veur ou Veur, je ne sais pas comment on le prononce. On va dire Veur. Parfois, la discrétion n'est pas le meilleur atout. C'est là qu'un bouclier solide a son utilité. Voilà. Cette petite merveille. Et son bonus, je ne l'ai pas précisé, c'est l'augmentation de dégâts à distance en l'absence de détection. Encore une fois, c'est un pack fait pour les assassins et aussi pour du coup les archers. Puisque tout est basé sur les dégâts à distance, les dégâts à l'arc, voilà, les tirs dans la tête et compagnie. Ce n'est pas tout, les amis. Ce n'est pas tout. Avec ce pack, vous aurez également ce magnifique corbeau. Sois mes yeux, si... Alors, on va s'arrêter dessus, très rapidement. Bon, là, les textures hein, sont en très basse résolution. On est sur
de la Nintendo 64. Mais sinon, voilà, de loin, on peut voir que le corbeau est juste magnifique. Avec des petits motifs dorés un peu partout. Voilà, et son petit nom, c'est Seidre. Comme la fameuse phrase que dit Eivor souvent sur les lieux maudits. Maudit Seidre de troll. Voilà, bah, il s'appelle Seidre. Et la monture. Je vais l'appeler de suite, ma petite monture. Viens là. Wouh! C'est un simple loup noir, voilà, qui me fait penser d'ailleurs au loup qu'on peut voir dans Asgard, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, le fameux loup de Loki. Mais celui-ci s'appelle Geri, et dans la mythologie grecque, la mythologie scandinave, les vikings quoi, Geri c'est un des loups d'Odin, voilà, tout simplement, il en a deux, et bah lui c'est Geri. Je sais plus comment s'appelle le deuxième, par contre, désolé. Voilà, voilà, pour ce petit pack qui coûtera 20€ dans la boutique du jeu et qui sortira dans les prochains jours. Alors, je pourrais éventuellement aussi vous montrer un autre pack qui sortira en même temps et qui est aux couleurs. C'est le pack pour le navire. Bon, le problème, c'est qu'il faut que je descende. Alors, attendez, je vais descendre, justement. Hop. Est-ce qu'on taperait pas un petit saut ici, non? Y'a pas un petit saut de la foi? Non, y'a surtout un saut que je vais me casser la gueule, ouais. Ouf. Ouf. C'est pas mal l'animation bouclier, hein. Regarde. Regarde. Oh là 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 là. On peut faire des belles photos. Donc attendez, je vais vous montrer le navire. J'arrive. Bon, on n'est pas pressé, hein. Voilà, ça vous laisse le temps, là, tout de suite, de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Et de partager sur les réseaux et compagnie pour montrer aux autres que le pack, ce pack sortira prochainement dans la boutique du jeu. Voilà. Allez, on appelle le navire. Alors, j'espère avoir fait... Ouais, c'est bon. J'espère l'avoir redécoré auparavant. J'ai juste oublié de changer les boucliers, pardonnez-moi. C'est les boucliers de Black Flag. Mais sinon, voilà le pack du navire qui sortira. Je sais plus c'est combien les éléments de customisation du navire dans la boutique. C'est peut-être 10€, je sais pas, non? Enfin, voilà. On a la figure de proue. Voilà, voilà. Il est magnifique, hein. Franchement, tu remplaces juste les boucliers de Black Flag par les boucliers qui vont avec, qui sont tout aussi beaux. La figure en arrière du bateau, c'est un petit corbeau, voilà. Et la voile, bon bah écoutez, je vais monter dedans, hein, comme ça je vous montre. Donc bon, la totalité, hein, si on prend le pack d'équipement plus le navire, ça va nous coûter une petite blinde, hein, ça, facile 30€. J'avoue que ça fait mal aux fesses. Voilà, pour la voile. Donc là aussi, hein, un magnifique corbeau. Et je n'avais pas vu ici, il y a des petits motifs de corbeau, là encore. Voilà. C'est tout, les amis, pour ce pack du Corbeau Noir. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau pack. Le pack Taranis. Voilà. Portez-vous bien. Tchuss.